Ok. Oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Mon sac est où? Passe-moi ça. Très bien. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonne arrivée. Nous attendons nos frères et nos sœurs. Désolé pour le fait que ce ne soit pas très clair ici, ça va se clarifier avec le temps. Tu es passé par le boulevard? Pas tout droit. Voilà, bonjour, nous attendons toujours nos frères, nos soeurs. Désolé, hein, le direct de ce matin, on va le faire. Là, je suis en plein travail. Donc, gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur et nous attendons à lui. Connectons-nous massivement. Partage la vidéo, s'il te plaît. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous à notre page pour avoir les notifications à chaque fois que nous aurons un direct à faire. Comme ça, rejoignez la grande famille. Pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Donc, bienvenue à... à la lumière des Saintes Écritures, notre plateforme où nous partageons les mystères de la parole de Dieu, les mystères de la foi chrétienne, et où le Seigneur nous amène à une autre dimension. Il faut aller, il faut aller. Donc nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée, nous te louons, nous te célébrons. C'est ta grâce qui est notre force, notre soutien, que ton nom soit béni dans le don précieux souverain de Jésus-Christ. Nous servirons Dieu dans n'importe quelle condition. Paul a dit que nous devrions servir Dieu dans les conditions favorables ou non. C'est quel engagement si c'est jusqu'à la mort, quoi. Que Dieu te bénisse. Ok, nous allons prier. Disons merci au Seigneur pour cette nouvelle journée. Disons-lui merci pour sa grâce. Disons-lui merci pour la faveur qu'il nous donne encore de voir ce jour nouveau. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée. Nous bénissons ton nom. C'est ta grâce qui nous fait voir ce jour. Et nous prions, Seigneur, que cette journée soit une journée dans laquelle tes desseins pour nos vies sont accomplis. Mon ami, il ne faut pas prier, pardon. Il faut me conduire. Je prie pour nous deux. Seigneur, manifeste ta grâce au nom souverain de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, qu'il soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la santé en cette journée et la victoire dans toutes nos batailles. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Père, nous bénissons ton nom et nous prions pour la santé et la victoire dans toutes nos batailles en longueur de cette journée. D'autres iront au travail, d'autres vont voyager par avion, par bateau, par voiture, etc. Seigneur, d'autres iront au champ. Nous prions, quel que soit l'endroit, d'autres iront marcher. Nous prions, Seigneur, que ta main forte et puissante se manifeste dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Préserve-nous, garde-nous et donne-nous la victoire dans toutes nos batailles au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. La Bible dit, celui qui te sauve du filet de l'oiseleur. Nous allons demander au Seigneur Jésus de nous délivrer du filet de l'oiseleur. Que tout ce que Satan a préconisé en cette journée contre nos vies soit anathème.
soit anathème dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Que ce soit une journée de bénédiction, de grâce et de succès pour chacun d'entre nous. Qu'à la fin de la journée, notre bilan de journée soit positif. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que l'ennemi a semé devant nous pour nous empêcher d'être heureux en cette journée, nous détruisons cela, nous anéantissons cela. Dans ton nom précieux et souverain, nous proclamons la restauration, la délivrance et ta bénédiction et ta grâce dans nos vies. Seigneur, toute flèche contre nous retourne à l'expéditeur. Tout piège contre nous, celui qui a mis le piège tombe dans son propre piège au nom souverain de Jésus de Nazareth. Père éternel, merci parce que tu nous as préservés. Merci pour l'onction de la préservation. Merci pour l'huile de la préservation dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes soeurs au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, je vois, c'est 143 verset 3, 45, 3, il dit, je te donnerai des richesses cachées, des trésors enterrés. Alors, quel que soit ce qui nous appartient cette journée, chaque jour, Jésus-Christ a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque journée a une bénédiction, a une grâce, a une responsabilité. Et la responsabilité de chaque journée pour nous, c'est de nous bénir, de nous apporter toutes les bénédictions par décret divin que cette journée porte et transporte pour nous. Seigneur, cette journée ne peut pas finir sans que je n'ai profité de toutes les bénédictions qui m'appartiennent en cette journée. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Père, merci pour ta grâce au nom souverain de Jésus-Christ. Courage wa inas promida udali felaza. Salami anau alkebar wa ines promida alferazo. Unait wa ines malikal faros. Intramera wa nau rabana utol frozen. Mon Père et mon Jésus, manifeste ta grâce. Glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, toute bénédiction dans cette journée de mardi, je la revendique. Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes soeurs, nous revendiquons que tout ce que tu as prévu de fort, de bon, de bien, de puissant pour nos vies, au nom souverain de Jésus-Christ, Seigneur, nous récupérons cela. Cette journée nous remet cela. Nous allons profiter, non, va tout droit. Nous allons profiter de la plénitude de tes grâces, de tes bénédictions tout au long de cette journée. Nous sommes bénis, nous sommes riches, Seigneur, nous sommes prospères, nous marchons dans ton succès et ton nom est avec nous. Au nom précieux et souverain de Jésus, on a prié. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Si vous avez fait cette prière avec foi, ne doutez plus dans votre cœur et ne croyez pas que cette journée sera une journée de malheur pour vous. Le Seigneur vous gardera. S'il y avait des accidents, ça vient d'être annulé. Il y avait des plans d'empoisonnement, Dieu vient de vous en délivrer. Les sorciers avaient prévu vous attaquer, le Seigneur vient de vous en libérer. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. On dit, je ne suis pas seul. Cette journée, je ne suis pas seul. La main de Dieu est avec moi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous allons faire un dernier sujet de prière. Nous allons demander à Dieu. Il dit, j'ôterai en vous ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Afin que vous suiviez mes tiens en pratique, mes ordonnances et mes préceptes. Nous allons demander au Seigneur un cœur de chair. Vous savez, aimer Dieu, c'est vivre conformément à sa volonté et à sa parole. Il est important que chacun de nous soit à la place où Dieu veut qu'il soit. Un bon enfant est celui qui fait la joie du cœur de son père. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout au long de ces journées, je veux faire la joie de ton cœur. Seigneur, je veux te craindre. Je veux t'aimer. Je veux mettre en pratique ta parole. Je veux vivre comme tu veux. Je veux marcher comme l'Esprit de Christ veut que je marche. Dans la sainteté, dans la justice, et préserve-moi du mal. Que mes pas soient droits devant le Seigneur, que mes pensées soient droites devant mon Dieu, que mes paroles soient pures. Aucune mauvaise parole ne sortira de ma bouche en cette journée, ni injure, ni moquerie, ni amertume, rien, ni malédiction. Seigneur, je veux marcher dans la pureté de ta parole. Prions ensemble, mes frères, au nom de Jésus-Christ. Pilate wa anas laikal falaza. Seigneur, nous voulons marcher dans la pureté de ta parole, la pureté de ta volonté, de ta pensée. Éloigne de nous le mal. Va tout droit, va tout droit. Éloigne de nous le mal. Seigneur, tout péché, toute iniquité. Seigneur, délivre-nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons plaire à ton cœur. Nous voulons marcher dans tes voies. Tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Seigneur, nous enlevons cela. Toute habitude mauvaise, nous nous en séparons. Toute parole déshonnête, nous nous en séparons. Tout comportement dérisoire, nous nous en séparons. Seigneur, nous proclamons ta sainteté dans nos vies. Nous proclamons la vérité, la justice de Dieu. Partout où nous nous retrouverons en cette journée, nous serons des modèles.
des exemples en parole, en pensée, en action et par nos œuvres. Seigneur, merci pour l'esprit de justice que tu établis dans nos cœurs. Au nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, l'esprit de Christ est en toi, l'esprit de justice, l'esprit de vérité, et qu'il te conduise dans toute la vérité. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, l'Esprit de Dieu te remplit, reçois la plénitude du Saint-Esprit. En grec, on dit pléroma. Pléroma, ça veut dire la plénitude jusqu'au débordement. Reçois l'abondance de la grâce de Jésus-Christ et que sa main t'amène à accomplir de grandes choses. Au mieux, ces générations, son nom. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Alors, que Dieu te bénisse. Connecte-toi, s'il te plaît, et abonne-toi. Si tu es nouveau dans notre forum, si tu t'abonnes, pour avoir les notifications de tous nos directs. Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Avant de continuer, je voulais revenir sur l'annonce que j'ai faite hier. D'après la révélation que j'ai eue hier, aujourd'hui, ça a été deux journées riches en révélation pour moi. Et le Seigneur m'a fait grâce de me parler. Vous savez, c'est la plus grande richesse d'un enfant de Dieu, c'est la communion avec le Père. La plus grande richesse. J'ai l'habitude de dire que si vous dites que Dieu est votre Dieu et que Dieu ne vous parle jamais, ça doit vous inquiéter. Ça doit vous inquiéter. Donc, je bénis Dieu pour la grâce et la faveur qu'il me fait. Le moindre que je suis le vermisseau d'entre les 10 milliers, sans aucune prétention. C'est grâce. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis prêt à vivre et à mourir pour lui, pour défendre ma foi. Rien ne peut m'empêcher de servir Jésus. Rien. Rien. On peut parfois être basculé, bousculé. On peut virevolter. On peut chavirer. On peut claudiquer. Mais on ne peut pas tomber. Le Seigneur est notre force. Voilà. On peut recevoir des coups très durs, très compliqués. Mais cependant, demeurer ferme avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, par la grâce de Jésus, je vous ai dit, pour ceux qui ont vu l'annonce hier, qui ont vu la petite annonce, le petit direct que j'ai fait hier, je disais que bon, cette nuit déjà, le Seigneur m'a fait grâce et m'a parlé. Mon cœur a été trop amer. Trop amer, je vous dis la vérité. Mon cœur a été trop amer. Je me suis réveillé là pour prosterner mon âme devant celui qui m'a appelé. C'est un peu comme si Dieu m'amenait dans son intimité pour résoudre des problèmes intimes et profonds de mon ministère, de ma vocation. Et j'étais en train de réfléchir sur... j'avais prêché sur les dispensations. Chaque enfant de Dieu doit connaître sa dispensation. Et c'est très important. Vous savez, c'est des choses que je partage souvent avec vous. Vous êtes touchés sur le coup, mais cependant après, vous oubliez parce que vous ne notez pas et vous ne méditez pas dessus. Et ça fait des richesses gaspillées pour rien. Jacques a dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Vous voyez, vous pouvez être un auditeur oublié. Moi, quand je me donne une révélation, immédiatement, j'enregistre d'abord dans mon portable pour ne pas oublier. Ça veut dire que puis, chaque fois que je veux retourner dans cette communion avec l'Esprit de Christ, je réécoute ça. Je réécoute et ça m'affermit. Parce que David a dit, ta parole est une lampe sur mon sentier. La parole que Dieu te donne, la révélation de Dieu pour toi, et la lampe de ta vie. Donc, il faut l'écrire quelque part. Il faut la garder. Il faut la voir dans ton esprit. Et il faut te la remémorer de temps en temps. Et à chaque fois qu'il y a du flou, et ça t'aide à voir plus clair sur le projet de Dieu pour ta vie. Et surtout le projet de vie de Dieu pour toi. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Cette nuit, je disais, le Seigneur m'a amené hier et aujourd'hui. Il m'a parlé sur l'intimité. L'intimité du ministère. Voilà, l'intimité du ministère. Et puis, j'étais trop triste. Et je suis encore triste. Mon cœur est encore trop triste, profondément triste. En fait, cette nuit, le Seigneur me montrait que je n'ai pas d'héritier. Je n'ai pas d'héritier. Hier, le Seigneur m'a dit où il voulait m'envoyer. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Le pays où il voulait m'envoyer. Mais, avant de partir, qui est l'héritier? J'ai dit à Dieu toute la nuit, Seigneur, je n'ai pas d'héritier. J'essaie de regarder.
Et je disais, avant de revenir sur l'héritier, qu'il y a les dispensations sont cycliques. Elles sont cycliques. C'est-à-dire, elles respectent un certain cycle. Dieu est le Dieu des dispensations et des cycles. Il faut respecter cela. Quand vous regardez, par exemple, la vie du Seigneur Jésus-Christ, vous trouverez que dans sa vie, il y avait deux cycles. Dans sa vie, le cycle de 3 et le cycle de 40. Ouais, c'est un peu ça. Donc, il y avait le 3 et puis il y avait le 40. Il est mort à 30 ans. 33, c'est 30. J'ai 3, 3, deux fois. Et puis, sur le mont de la Transfiguration, il a pris 3 apôtres. Il a choisi 3 apôtres. Et puis, lors de la Transfiguration, ils étaient 3. Lui, Moïse et Élie. Et vous verrez encore ça, la différence de mois entre lui et son grand cousin, Jean-Baptiste. C'est 3 aussi, 3 mois, etc., etc., etc. Et puis, dans le désert, il fait 40 jours, 40 et plus. Voilà. Donc, quand vous regardez ça comme ça, vous allez voir que la vie du Seigneur Jésus répondait à un cycle dispensationnel bien défini. Chaque enfant de Dieu doit savoir que Dieu fonctionne avec les dispensations. Et quand on parle de dispensation, on parle de cycle temporel. Or, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur cycle dans leur vie. Moïse, par exemple, le cycle de son ministère, c'était 40. Donc, tout ce que Dieu faisait avec Moïse était en rapport avec le chiffre 40, majoritairement parlant. Il dit, ce fut au bout de ces 40 jours et 40 nuits, voilà, que l'Éternel me donna mes deux tables de pierre. Vous voyez. Donc, Moïse parlera toujours de 40 jours, de 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. 40 ceci, 40 cela, etc., etc. Donc, si vous regardez d'autres prophètes dans la Bible, vous trouverez que chacun a son cycle. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous tous, chacun de nous a un cycle temporel qu'on appelle encore les cycles dispensationnels. Chacun de nous a un cycle temporel ou dispensationnel. Parce que la dispensation est basée sur le temps. Donc quand Dieu t'appelle, il te donne un temps. Et ce temps-là contient ton mandat. Quand je dis appeler, ce n'est pas seulement ministère. En tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, quand Dieu t'appelle au service et a donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a un mandat temporel qu'il te donne. Ta vie répond à ce mandat temporel qui, lui, est soumis à la dispensation et aux dispensations que le Seigneur te donne. Donc, dans ma dispensation à moi, ma dispensation, c'est 7. J'ai eu à expliquer ça une fois. C'est 7. Ça veut dire qu'après, chaque 7 années, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque cycle de 7 et 7 et 7 et 7, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et j'étais en train de penser le matin, quand le Seigneur m'est apparu en 2005, c'est en 2012 qu'il me dit, lève-toi. Donc ça fait 7 ans. Vous voyez. Et 2012, 7 ans après 2019, il y a quelque chose qui change dans notre ministère. Nous changeons de niveau, on parlait de congrès, on parlait de sport. La dimension change. Donc ça fait que c'est un peu ça. Et mon et moi, nous avons fait 7 ans de mariage. C'est à ça que je pensais ce matin. 7 ans de mariage. Et après cela, elle est retournée au Seigneur. Donc, chacun de nous doit maîtriser les cycles temporels et dispensationnels avec lesquels Dieu traite avec lui. C'est importantissime. Voilà. Que Dieu te bénisse. Si tu comprends ces choses-là, tu seras heureux, pourvu que tu les gardes et que tu les mettes en pratique. Parfois, les saisons de ta vie changent et tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas que Dieu a changé. Ça a changé. Et tu vas continuer avec les anciennes méthodes. Et le diable va donc profiter de cette ignorance pour te faire vivre les choses de la dispensation passée. Ça veut dire que les malheurs qui ne devraient pas exister dans ta vie, qui étaient obsolètes, vont continuer à régner. Les difficultés, les montagnes de l'autre dispensation vont se transférer dans la nouvelle dispensation. Et ta vie sera comme si elle n'a jamais changé. Pourtant, dans le règne spirituel, ta vie a changé. Les textes qui régissent ton existence sur la terre ont changé. Le niveau a changé, mais tu vis toujours dans le niveau passé. Parce que tu es ignorant de l'existence même déjà des cycles temporels et dispensationnels. Donc ça, c'est des choses que nous devrions comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Et ça nous aiderait à entrer dans le mystère du christianisme et à comprendre les profondeurs de Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'entrez pas dans les profondeurs de Dieu, selon ce que la Bible dit. Et s'il te révélait son secret, voyez, donc il y a les secrets de Dieu. Donc, le Seigneur, cette nuit, m'a montré qu'en fait, je n'ai pas encore de fils. Je n'ai pas de fils. Et toute la nuit, j'ai crié à Dieu.
J'ai dit au Seigneur, aide-moi, Seigneur, à avoir un fils. J'ai besoin. Mais Éliezer de Damas, je n'ai pas. Abraham, lui, au moins, gloire à Dieu, il avait quand même Éliezer de Damas. Je suis en train de prier Dieu. Un héritier, Seigneur. Je veux un héritier. Avant-hier, je pense avant-hier, la nuit d'aujourd'hui, la nuit d'hier, le Seigneur m'a dit en vision clairement que tu ne finiras pas ton ministère au Cameroun. Je t'enverrai vers la nation ougandaise. Tu iras vers l'Ouganda. Et la vérité, c'est que moi, l'Ouganda, comme j'ai dit dans mon direct d'hier, je ne connais pas l'Ouganda. Je n'ai jamais, je ne me suis jamais arrêté pour étudier l'Ouganda. Je ne sais pas dans quelle partie de l'Afrique l'Ouganda se trouve. Ouais, donc je ne sais pas. Bon, mais j'ai un peu travaillé là-dessus hier et j'ai découvert que l'Ouganda, c'est un pays anglophone. Bon, je ne sais pas si on parle aussi français là-bas. Avec toutes les batailles de l'Éternel, les guerres de l'Éternel que je dois mener, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir et faire les recherches. Bon, mais ça va aller. Et je bénis le Seigneur parce que je ne suis que son serviteur. Aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, même si Dieu dit qu'on part demain, je vais aller. Je n'ai plus. Je pars sincèrement. On part. Donc, il faut que les gens comprennent. Je veux revenir dessus. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne m'a pas dit que demain part. Non, il ne m'a pas dit que mon fils, le temps là, c'est maintenant. Non, il m'a dit tu ne finiras pas ton ministère au Cameroun. Je t'enverrai en Ouganda. Donc, quand la parole de Dieu sort, on prend le temps, on essaye de la comprendre, on essaye d'aller dans la profondeur pour bien cerner la pensée de Dieu. Je le dis parce que beaucoup se diront, « Oh, d'accord, le prophète Kane est en train de quitter le Cameroun aujourd'hui, il est en train de partir. » Il y a les gens qui m'ont écrit, j'ai lu les commentaires, quelqu'un m'a dit, « Non, ne partez pas, parce que si vous partez, vos ennemis vont se moquer de vous, que vous avez fui le Cameroun. » Mes amis, vous ne me connaissez pas bien. Ouais, vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas un enfant dans les choses de l'esprit. Je ne suis pas un enfant. C'est parce que notre génération que Dieu a suscité ici, vous ne comprenez pas. Les autres prophètes de Foyer, c'était hier ou avant-hier, je lui disais que tiens, vieillard, quand les gens te voient, on voit un jeune, mais tu n'es pas jeune. C'est ça la vérité, c'est que les gens ne comprennent pas. On est des vieillards. Dieu nous a donné, amené tellement loin avec lui qu'il y a des choses que si on veut partager, vraiment, les gens ne comprendront pas. Donc, quand nous nous assurons pour parler, on parle des colonnes, des mystères du royaume, des choses qu'il faut encore le temps à certains hommes de Dieu dans cette nation pour comprendre. Donc, je crois que je ne peux pas partir si l'église que le Seigneur m'a confiée n'est pas fermée, s'il n'y a pas quelqu'un ou des fils dignes. C'est pour ça qu'il y a une vague de fils que j'attends de Dieu et je crie que le Seigneur puisse me donner des enfants loyaux. Des enfants qui comprennent, des enfants qui n'ont pas une ambition malsaine, des enfants du ministère, ceux qui vivent et veulent mourir pour le ministère. Donc, c'est pour ces enfants-là que je suis en train de prier aujourd'hui et demander à Dieu la grâce et la faveur de se révéler, de se manifester. Mon frère, avec le rythme ici, là. Donc, vous voyez, j'ai besoin de ça. Aucun homme de Dieu ne peut rien bâtir de solide s'il n'a pas de personne de confiance. Donc ma prière aujourd'hui, c'est Seigneur, donne-moi des enfants loyaux, des enfants qui vont porter la vision. Même si je vais en Ouganda demain, alors Seigneur, ces enfants resteront fidèles. Réma sera Réma. Oui, l'église que tu m'as confiée au Cameroun sera stable. Rien ne la bougera. C'est ça. Maintenant, là, si je parle, là, c'est la catastrophe. Donc je disais que j'ai lu le commentaire d'un bien-aimé qui disait « Non, vraiment, les amis vont dire que j'ai fui le Cameroun, le combat au Cameroun et tout. Partir en Ouganda ne veut pas dire que je laisse mon pays. Ce n'est pas possible. » Vous savez, quand Dieu... Laissez-moi vous montrer une chose. Quand le Seigneur me parlait en vision, je vous parlais les pensées et l'esprit de la vision. Dans la vision, pendant que Dieu me parlait, que je t'enverrai, tu ne finiras pas ton mission, quand je t'enverrai vers une autre nation. Et ça, c'est des prophéties que mon épouse m'avait données. Ça, c'est des choses. Cette femme, vraiment, que Dieu la bénisse. Où que tu sois, ma femme, et c'est que tu es dans la gloire, que le Seigneur te bénisse là-bas, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Qu'il te bénisse. En fait, tu es même béni. C'est nous qui avons les problèmes ici, là. C'est-à-dire qu'avec les choses de la terre, là, il faut lutter, servir Dieu dans un environnement comme celui-ci. Donc,
Et hier, j'ai reçu le message d'un jeune prophète qui m'a dit que il a une vision où Momi lui a apparu. Je pense que, fils, si vous m'écoutez, vous pouvez passer ça en direct. Il n'y a pas de problème. Et j'ai beaucoup admiré sa sagesse. J'ai admiré sa sagesse. Ça, ce genre de jeune prophète dans ma génération, aujourd'hui, c'est compliqué. Il m'a dit que je n'ai pas voulu d'abord faire le direct sur ça. J'ai voulu vous en parler d'abord, avant d'en faire une affaire publique. Et j'ai loué sa sagesse et son humilité. Voilà le genre de personne, le genre de fils que nous avons besoin. Qu'il continue à être humble et à chercher la face de Dieu. Donc, il m'a dit que dans la vision, il a vu Mommy qui lui a dit, dis à mon mari d'être en paix, d'être tranquille, de cesser de me pleurer. Parce que je suis dans la gloire. Je suis dans la gloire. Dis-lui plutôt de se réjouir d'avoir formé, préparé une brebis qui a eu la vie éternelle. Dis-lui de se réjouir de cela, de m'avoir donné la vie éternelle, de m'avoir formé, de m'avoir donné ce qu'il fallait pour avoir la vie éternelle. Il doit se réjouir pour ça. Et qu'il puisse aussi se concentrer maintenant sur l'essentiel de son ministère, le travail que Dieu lui a donné. Donc, j'ai béni Dieu pour cela. Ma prière aujourd'hui, c'est donc d'avoir des fils qui sont loyaux. J'ai quelques enfants. Et pendant que je priais donc ce matin, je me suis rendu compte que j'ai des leaders, voyez, j'ai des collaborateurs qui sont loyaux. Vous comprenez? Ils sont vraiment loyaux. Ils aiment Dieu. Ils ont le ministère. Mais ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas assez spirituels. Ils sont spirituels à leur niveau. Mais ils ne sont pas assez spirituels pour comprendre la rapidité avec laquelle l'Esprit de Christ fonctionne avec moi. Voici un peu ça ma difficulté avec eux. C'est des personnes loyales, des personnes toujours disponibles. Des personnes qui font. C'est-à-dire que dans mon entourage, quand vous voyez ceux qui m'entourent, que ce soit les mamans Moukoko, papa Moukoko, papa Dobby, maître Vaga, et tout, maman Rosette, etc. Papa Jean. Bon, c'est des personnes qui sont loyales. Ça veut dire qu'elles sont loyales. Elles aiment Dieu, ça, on ne doute pas. Personne ne peut douter. Elles sont sincères. Personne ne peut douter. Elles sont vraies. Aucun parmi eux là n'est hypocrite. Personne. Leurs cœurs sont droits envers Dieu. Mais le problème, c'est que ils souffrent d'un syndrome de rachidisme spirituel. Ouais. Le vrai problème, c'est le syndrome du rachidisme spirituel. Ça veut dire que leur croissance spirituelle n'est pas rapide. C'est-à-dire, ils ne sont pas. Et c'est ça le problème. Même mes fils, alors, vraiment, eux. Ça dit par rapport à mes collaborateurs, les leaders de l'église, Réma, qui sont loyaux. Les fils, eux, sont la majorité, sont des loyaux. Dans la majorité, c'est des loyaux. C'est des personnes qui ont des ambitieux, des ambitions qui ne sont pas pour Réma. Vous voyez. Or, maintenant, ce que je veux, tu ne vas passer ta vie à former des enfants pour aller ouvrir leur ministère à eux. Non, on a besoin des enfants du ministère. Quand vous regardez Papa Ngo, du Living World Fellowship, qui est mon papa personnel, il a des enfants. Lui, Dieu lui a donné la grâce d'avoir des enfants loyaux, des fils. Quand vous voyez le docteur Pépin Midi Noumana, non, il avait lui depuis près de 30 ans. Près de 30 ans. Et son propre papa, il avait lui aussi depuis, je pense, 30 ans au moins. Ils sont restés loyaux à la vision du Living World Fellowship. Ils sont des ambassadeurs. C'est un homme digne. Vous voyez le révérend qui s'y met. C'est des personnes qui ont une loyauté, c'est-à-dire à la paternité que j'admire. Si Dieu me donne un fils comme ceux-là, révérend ici, mes révérends, Pépin, Midi Noumana, le ministère, si je peux aller n'importe où, c'est aussi pour ça que Dieu n'a pas encore pris de mon esprit pour mettre sur un de mes fils. Parce que vous ne verrez pas un de mes fils opérer comme moi. Il n'y en a pas encore. Il n'y a pas. Il n'y a pas un seul pasteur à Réma, parmi mes enfants, ceux qui sont là, ceux qui sont partis, qui a le don, le manteau multicolore que Dieu m'a donné.
C'est-à-dire que qui maîtrise l'hébreu, qui a le grec, et qui parle plusieurs langues, qui peut prêcher en plusieurs langues, qui a cette facilité de comprendre les Écritures, d'enseigner, de prophétiser, de faire tout ça, cette polyvalence qui comble le peuple. Il n'y en a pas encore. Quand vous regardez, il n'y a pas encore. C'est en cela qu'on sait que le manteau n'a pas encore été donné. L'héritier n'est pas encore là. Ou les héritiers ne sont pas encore là. Donc ça pose un réel problème. Ça me pose un réel problème. Nous devons vraiment prier pour notre église. Prions pour l'église Réma, que Dieu ait pitié de nous. Et surtout pour toutes les églises au Cameroun. C'est un problème qui est récurrentiel. Quand vous regardez aujourd'hui les mecs, ce qui s'est passé avec les mecs, il y a eu des schismes. Donc pour voir une église qui soit stable au Cameroun, c'est compliqué. Hein? Les mecs, il y a eu des schismes. Regarde la CMCI qui a, c'est-à-dire que où papa Zach s'est sacrifié, a bâti les disciples, il y a toujours eu un schisme. Pour cause la loyauté. Vous voyez, le manque de loyauté. Donc nous devons comprendre cela et prier. Et je pense que ce que le Seigneur veut pour moi, c'est de prendre le temps maintenant pour former des fils. Ceux qui sont là pour défendre les causes de notre Église. Qui sont prêts à mourir pour Réma. Dont la vie est à Réma. L'avenir est à Réma. Qui sentent que Dieu leur a donné la responsabilité de veiller pour que Réma se porte bien. Et non ceux qui ont leurs ambitions sur Réma. Et pas Réma. Pas pour Réma. Ceux qui se disent, ok, si je suis là, c'est une plateforme où je peux même avoir mes 100 brebis là, je séduis même 300 brebis, je pars avec, je fais mon ministère, ça va. Mes problèmes sont résolus. Non, non. On a besoin, j'ai besoin des fils, j'ai besoin d'Isaac. Ou bien d'Isaac. Il dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de cela. Donc, joignez-moi dans la prière pour cela. Ma femme, avant de partir, m'avait dit, mon mari, je ne te vois pas finir le ministère au Cameroun. Et c'est ça la vérité aujourd'hui. L'Éternel me l'a dit. Et quelqu'un m'a écrit hier un long message. Et je vous en prie, vous avez des informations sur le Ghana, donnez-moi. Sur l'Ouganda, donnez-moi. Il y a un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu ou un frère, qui m'a fait un long message hier sur Messenger. Et je bénis Dieu pour ça. Que Dieu le bénisse. Il m'a expliqué ceci. Il m'a dit qu'il y a eu deux prophètes ougandais qui ont quitté l'Ouganda il y a cela quelques années. Je ne sais pas en quelle année exactement. Si vous connaissez ça, vous êtes au courant, s'il vous plaît, écrivez-moi. Écrivez-moi pour que je puisse bien connaître ce qui s'est passé. Là, il y a eu deux prophètes ougandais qui sont quittés de l'Ouganda pour arriver au Cameroun. Et quand ils sont arrivés au Cameroun, c'était pour donner le message que Dieu a donné à la nation ougandaise pour le Cameroun. Et ils ont dit que Dieu a révélé aux Ougandais que la délivrance de l'Ouganda viendra du Cameroun. Que Dieu enverra du Cameroun des prophètes vers l'Ouganda pour le réveil en Ouganda. Et Dieu m'est témoin, je n'étais pas au courant de ça. Et que ces deux jeunes prophètes, quand ils ont fini de parcourir les églises dans Yaoundé, ils ont pris le train pour aller à Douala. Ils sont morts dans l'accident des Zika. Tous les deux sont morts. Et j'ai compris une chose. Leur sang, oh, leur sang, ce n'est pas une mort. Les gens peuvent penser que c'est le diable qui les a tués. Non. Ils ont servi de libation. Quand l'apôtre Paul dit, et déjà je sers de libation, ça c'est le mystère du christianisme. Ils ont servi de libation, de sacrifice, d'offrande pour l'Ouganda. Déjà je sers de libation. C'est que nul ne me fasse désormais de la peine, car déjà je sers de libation. Lui-même est une libation. Il y a des gens qui sont devenus une libation pour Dieu. Dieu a fait d'une libation. Ils sont un sacrifice, une offrande à Dieu. Donc c'est une offrande pour le salut de l'Ouganda. C'est une offrande pour le réveil en Ouganda. C'est une offrande pour la libération de la nation ougandaise. Vous comprenez? C'est très important de le savoir. Il y a le père de l'église Origen qui a dit « Sangre martyrum semen ecclesia ». Le sang des martyrs est la semence de l'église. Donc, leur sang est une semence pour l'église de l'Ouganda. Donc, si vous avez des connexions avec l'église en Ouganda, vous êtes un homme de Dieu, vous pouvez m'aider à visiter la nation ougandaise. Avant d'y aller, je pourrais faire de grands programmes là-bas, visiter la nation plusieurs fois. Voilà. Ouvrir même déjà une branche de Réma en Ouganda.
Donc si vous êtes un homme de Dieu, vous m'écoutez. Je sais que Dieu va susciter des hommes et des femmes en Ouganda pour me recevoir. Par qui je pourrais passer pour me retrouver dans cette nation et pour apporter ma petite contribution. Je ne prétends rien. Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Bon, mais voilà. Donc quand ce frère m'a envoyé ce message hier et que j'ai lu le message, j'ai eu la chair de poule. Je vous dis la vérité devant Dieu. J'ai eu la chair de poule, j'ai encore craint Dieu. Mon âme a encore craint le nom de l'Éternel. J'ai compris que la main de Dieu est forte dans ma vie. Elle est puissante. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Donc du coup là, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris. Et j'ai dit, Seigneur, je suis prêt. Même si tu dis que c'est maintenant, là, on part seulement. Même quand je suis en route là, on change, m'a dit au chauffeur que, ok, prends à gauche, on va en Ouganda, on est en train d'aller en Ouganda. Lui-même, mon fils, lui-même, c'est un sacrifié pour Christ. On va partir. Il va informer sa femme que ma femme, je ne reviens plus, bye bye. Débrouillez-vous derrière là-bas. Nous, on est parti en Ouganda avec le père. C'est ça. On a besoin de fils qui sont prêts à mourir près de leur père, à donner leur vie pour la vision, pour défendre la cause de l'évangile de Jésus. Donc que le Seigneur te bénisse vraiment, que sa grande main, sa puissante main soit avec vous. Donc ne vous dites pas non vraiment, le prophète est en train de quitter demain, je ne pense pas. Non, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, je dois fermer ce que je fais ici. Et pour le reste là, le Seigneur lui-même nous aidera. Donc voilà un peu, je voulais que ce soit clair. Que les gens comprennent que non, le prophète n'est pas en train de quitter le Cameroun aujourd'hui et demain il sera en Ouganda. Non, non. Il y a encore plein de choses à faire au Cameroun. Et je pense que ça prendra des années. Ça prendra des années pour que cette prophétie puisse s'accomplir. C'est comme ça que Dieu fonctionne parfois. Pour le reste là, le Seigneur disposera comme il veut parce qu'il est fidèle. Nous bénissons son nom et voilà. La gloire soit donnée à Jésus. Donc je verrai par la grâce de Dieu avant la fin de cette année si je peux faire un tour en Ouganda déjà. Un premier voyage pour voir, visiter et palper de mes propres mains et toucher des plans de mes pieds le sol de cette nation. Il y a une grande chose qui va se produire en Ouganda. Dieu va faire quelque chose de puissant en Ouganda. Je vous dis la vérité. Il y a quelque chose de grand et de fort pour cette nation. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes en contact avec les Ougandais, passez-leur ce message que le prophète Ferdinand Ikane a dit qu'il y a un grand réveil qui arrive. En Ouganda, nous sommes les prémices de ce réveil. Dieu aime beaucoup l'Ouganda. Dieu a beaucoup de choses. Je sais que le Seigneur va continuer à me parler. Il va continuer à me donner des explications plus amples. Mais il y a un grand réveil qui vient en Ouganda. Je ne savais pas qu'il y a eu deux prophètes ougandais qui sont morts au Cameroun et qui sont venus avec la parole de l'Éternel pour disant que le réveil de l'Ouganda venait du Cameroun. Hein, vous voyez comment le Seigneur agit? Deux prophètes sont venus. Aujourd'hui, Dieu retire un prophète du Cameroun pour aller le planter en Ouganda. Je ne sais pas combien d'autres aussi Dieu va enlever. Et c'est pour ça que quand je causais, il y avait mon frère, le prophète Ndefo. Je lui ai dit que toi-même, sois prêt, mon frère. Sois prêt, nul en sécurité. Toi-même, Dieu peut te dire seulement que, oh, toi, je t'envoie au Kenya ou bien dans n'importe quel autre pays. Nous sommes prêts pour cela. Donc, nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur Jésus. Et le Cameroun... Et je vois quelqu'un écrit là, deux autres prophètes ougandais étaient ici à Garoua l'année dernière. Nous avons assisté au programme avec eux à la chapelle de Silo. Je crois que si vous entrez en contact avec le pasteur de la chapelle de Silo, prophète, vous en saurez plus. D'accord, merci. S'il vous plaît, donnez-moi le numéro du pasteur la chapelle de Silo de Garoua. Je vous en supplie. Donc, et ceux qui ont le numéro, donnez-moi tous ceux qui peuvent m'aider dans ce sens. J'ai fait des recherches sur Internet pour entrer en contact avec des prophètes de l'Ouganda. Je n'ai pas eu. Ils ne sont pas trop dans les réseaux sociaux. Donc, je suis en train de faire des études démographiques là-bas pour voir comment ça se passe. Donc, voilà. Et j'ai conférence de bienfaiteurs tout à l'heure à Douala à partir de 16h. Je suis en train de me battre encore. Je vous ai dit que je suis en train de lutter. Je bénis Dieu pour les autorités qu'il a mises à mes côtés pour m'aider vraiment, me soutenir, m'assister dans les défis de l'Église. Donc on est en train de travailler rapidement là pour faire
l'ONG, la fondation Momi Shalom Ekane, voilà. Donc, j'espère que tu seras partenaire. Vous tous, tous ceux qui disent être ses enfants, doivent être partenaires de cette fondation. Tous ceux qui disent, se reconnaissent comme fils et filles de Momi Shalom Ekane, doivent être partenaires. Tu dois donner ta contribution pour les fonds de cette fondation-là, pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa bonne main soit dans ta vie, sa puissante main parle en ta faveur au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Donc, merci pour vos prières. L'Église du Cameroun doit beaucoup prier. Que Dieu puisse nous remplacer. Bon, Dieu a toujours remplacé. Il est fidèle. Il aime beaucoup la nation camerounaise. Si je pars, il y aura meilleur que moi. Ça, c'est clair. Quand Dieu enlève, il donne toujours meilleur. Si je pars, il y aura meilleur. Vous verrez que chaque fois que des hommes de Dieu qui ont marqué cette nation sont partis, Dieu a suscité d'autres. En remplacement d'eux. C'est pour ça que Dieu fonctionne. Il suscite toujours d'autres en remplacement d'eux. Donc, si je pars, Dieu vous donnera un prophète meilleur. Un prophète qui vous aimera plus que moi. Qui se sacrifiera pour vous plus que moi. Qui vous sera plus utile que moi. Partir ne veut pas dire qu'on va fermer toutes les églises. Non, je serai toujours là au Cameroun. J'organiserai des programmes ici dans mon pays. J'aime beaucoup mon pays. Donc, j'aime tellement ma nation. Voilà, il y a quelque chose que j'ai oublié. Je voulais vous dire ça. Et j'ai oublié. Donc, je disais que l'esprit de la vision. Dans la vision, merci, il y a une soeur qu'on appelle Anne qui a prié pour moi que Dieu me rappelle ça. Anne, elle peut témoigner. Elle a prié tout à l'heure que Seigneur, ton serviteur est en train de parler, l'esprit de la vision, qui a quelque chose de la vision. Donc, rappelle-lui ça. Dans la vision, quelque chose s'est passé. Lorsque le Seigneur m'a dit, tu ne finiras pas ton ministère au Cameroun, je t'enverrai dans une autre nation. Dans mon esprit, c'était l'Europe. Dans la vision, hein. Quand je parlais dans la vision, j'étais en train de voir l'Europe. L'Europe. Et je disais que moi, l'Europe, je n'ai jamais rêvé d'aller en Europe. Mais c'est après qu'il m'a dit, je t'enverrai en Ouganda. Et là, j'ai compris que okay, c'est parfait. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, il est fidèle, notre Jésus. Que Dieu te bénisse. Restons fermes dans la foi. Nous aurons un direct normal demain. Je ne voulais pas vous sévrer pour deux jours comme ça, successifs. Donc, demain, on aura un direct normal. Je crois que je serai sur place. Mais là, je suis en train de courir. J'ai un rendez-vous que je dois honorer là très tôt. Et voilà. Et j'ai des courses. Je dois monter, descendre pour faire signer des papiers vite. Et puis prendre la route pour Douala. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'amour que vous avez pour moi, que vous avez eu pour Mommy. Merci pour cette loyauté. Dieu vous bénira. Je vous dis la vérité. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Vous n'êtes pas connecté à une mauvaise source. Vous êtes connecté à la bonne source. À une source limpide. Que Dieu vous bénisse. Que cette journée, Dieu vous bénisse. Dans tout ce que vous ferez, que Dieu vous bénisse. Que sa main soit avec vous. Qu'il soit votre berger, votre défenseur. Je te bénis et on se sépare. Père, merci pour mes frères, merci pour mes fils, merci pour ta main puissante dans leurs mains et dans leur vie. Je prie que tu honores ton nom dans leur vie et que tu glorifies ton Saint-Nom. Père, bénis notre journée. Rends-nous féconds. Rends-nous puissants et multiplie-nous à l'extrême. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent pour l'éternité. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je te bénis au nom précieux de Jésus. Reçois la double portion de sa grâce en cette journée. Va et sois prospère à tout point de ta vie au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. La mini-nuit de flamme à Douala, c'est mercredi. Ce mercredi à partir de 17h. Et ce soir, j'ai conférence avec tous les bâtisseurs de la maison de l'Éternel. Tous ceux qui ont pris le vœu d'être bâtisseurs de la maison de notre Dieu, s'il vous plaît, ne manquez pas. Sois là. Sois là. Ce soir, soit là à partir de 17h en Dogbon, derrière l'immeuble Kamley. Comme tu le fais, la main de Dieu est dans ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même.